Bonjour à tous, et c'était Faust. Et nous voici de retour dans le premier village. Voilà, donc on va pas montrer grand chose et tout pour l'instant. Il y a quelques petits changements. Ah, va. Et donc voilà, donc, nous voici de retour dans le premier village grâce au portail, enfin, grâce au fait que mon portail du Nether que j'ai récemment créé suite à l'acquisition du diamant. Voilà, donc j'ai créé un portail du Nether et je l'ai relié avec le Nether du village. Donc on va vous montrer déjà, mais on va vous montrer, vous inquiétez pas, mais on va aussi vous montrer comment le village a changé entre-temps. Donc attention, tac, voilà, on voit pas grand-chose, c'est bien. Donc voilà, nous voici donc en direct live dans le village. Alors je suis tout seul pour le moment. Oui, donc là vous voyez 13 morts. Oh merde, je vous ai montré la surprise. Voilà, j'ai 13 morts pour le moment, mais je vous expliquerai au niveau des morts. Donc voilà. Donc voilà, nous sommes ici. Donc tout d'abord, voyons la tour à Bob qui a été améliorée entre-temps. Donc voilà, elle a de la gueule et tout. Il y a des mobs, mais c'est pas encore en mode tri. Donc du coup, je vous montrerai pas tant que c'est pas fini. Voilà, donc il y a encore y a des mobs qui tombent dedans, qui tombent dedans, là, dans le tube et tout. C'est rigolo. Mais oui, voilà. Qu'est-ce qu'on se marre. Voici l'usine d'obsidienne, qui fabrique de l'obsidienne ou de la cobble, comme vous voulez. Il y a au bout de ce petit chemin une usine à arbres qui n'est pas encore finalisée, enfin qui fonctionne, mais enfin je crois qu'elle fonctionne, mais niveau de la déco c'est pas encore ça. Donc ouais, il y a toujours ça, l'usine à bambou, la canne à sucre et l'usine à pastèque. L'usine à pastèque théoriquement elle marche, mais ça, on va voir ça. Avec la musique de Minecraft que j'ai baissé un peu parce que ça pique un peu les oreilles. Donc voilà, ici ça va être ma future maison. Ouais, je compte faire une maison dans le village de départ et je compte le faire sur le lac. Ça n'a pas de la grande architecture, enfin, pour ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que ça pas de la grande architecture. Mais voilà, je vais quand même faire une maison ici parce que voilà, c'est au moins j'aurai mon petit pied-à-terre dans la zone de départ. Voilà. Donc de ce côté-là, ça n'a pas changé. Il y a toujours la maison de Pipoyo. Voilà, c'est bon, je m'en souviens au niveau des noms et tout. Là-haut, il y a la future maison de Jeff. Voilà. Ici, la maison de Bélio, donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Oui, je baisse la tête, je baisse les yeux, vas-y, t'as vu? Pour vous montrer la surprise que vous avez vue, enfin, dont vous avez vu une petite partie en direct live. Attention, attention, attention. Et tada! Un gros dragon, tout beau, tout propre, tout ça. Avec le bacon, évidemment, hein, parce que le bacon, ça fait plaisir. En génération Spade, ah, ouais, c'est génial. Donc voilà. Le dragon, le magnifique. Le sublime, le fantastique, le dragon. Attention, attention, attention. Est-ce qu'on va avoir une meilleure vue? Ah oui, bon, on va essayer d'avoir une meilleure vue depuis chez Bellio. Et parce que monsieur, en plus d'avoir une grande maison, il essaie d'avoir une meilleure vue. Bah oui. Mais c'est parce qu'à lui. Tac, tac, tac. Je rigole, bien sûr. Hein. Ouais, on a une petite meilleure vue ici, mais avec les. Ça fait un peu prison, j'avoue. Comment j'ai fait pour monter la dernière fois? Tant pis. Donc voilà, là c'est le dragon. Ah gros gros, on peut même monter dessus hein, pour ceux qui veulent. Par contre, l'usine à poulet, elle a fait du bruit. Ah oui, donc entre temps, j'ai vu que j'ai tabassé un peu des gens et tout. Attends, voilà. Donc voilà, entre temps, je suis revenu avec Bélio pour finir quelque chose. Bon là, on voit encore le magnifique dragon. Donc du coup, on a tabassé des monstres. Donc du coup, j'ai chopé un arc. Enfin non, ça c'est, j'ai chopé plusieurs arcs et j'ai assemblé les différents arcs pour obtenir un truc dans le genre. Et j'en ai encore, et c'est pas fini. J'ai aussi looté une potion. Non, je ne l'ai pas piqué chez Bellio, hein. J'ai aussi pris une potion sur une sorcière. Parce que les sorcières lootent des potions de temps en temps. Que ce soit de feu ou de soin. Moi, bon, j'ai de la sens. Oui, c'est de la sens. J'ai une potion de soin. Donc voilà, les petits changements au niveau du village. Avec un bloc de diamant en plus, le dragon est un putain de riche. Communiste! Bref, donc voilà, on va vous montrer le petit passage du Nether. Donc pour l'instant, il n'est pas vraiment aménagé. Il est tout simplement taillé. Taillé à la one again beast to fly. Oula, il y a bruit de ghast. Donc moi je suis de quel côté moi? Non, je suis pas de ce côté-là. Ah oui, entre temps, je vais peut-être prendre ça. Voilà. Oui, j'ai aussi tabassé moult zombies. Shakyfish, voilà. Donc du coup, mon passage sera par là. Donc j'ai encore un peu taillé, j'ai un petit peu taillé et tout, mais je me suis fait un petit passage. D'ailleurs, à la fin de cet épisode, il y aura une petite vidéo bonus. Avec mon cheminement jusqu'à mon portail du Nether, ainsi que ma petite zone du départ du Nether. Donc voilà, cet épisode, comme je l'ai répété souvent le mot, sera consacré au Nether, pom pom pom, à la recherche d'une forteresse.
qui ne soit pas encore, qui n'ait pas encore été dévasté par Belio et sa bande. Donc voilà, ça va être marrant. Et surtout, EPEC! Donc du coup, bah là, je vais faire une petite ellipse pour rentrer chez moi, pour montrer un peu comment ça a changé depuis que je suis, enfin voilà, depuis un certain temps. Voilà. Donc bah, à tout de suite! Re! Ouais. Donc j'ai tourné un peu l'épisode et le problème c'est que y a eu un problème au niveau de l'enregistrement du son. Donc pour le coup, bah j'avais pas le son de l'épisode. Donc j'ai décidé de le retourner. Donc voilà, nous sommes de retour au niveau de la maison. Avec nos pâtés de vache, nos pâtés poulets. Qui sont tout bruyants comme tout. Voilà, vous entendez bien. Devenez fou avec moi. Ainsi que le poste d'enchantement. Avec l'enclume, voilà, j'ai fait un petit endroit où je pourrais enchanter et tout. Ça, j'enlèverai entre-temps quand j'aurai construit une maison digne de ce terrain, mais en attendant, bah voilà, j'ai fait un petit poste comme ça histoire d'avoir de quoi enchanter. Mais truc, j'ai aussi les patates se sont reproduites, plein de patates, des patates par milliers et tout. Je la ramasse pas pour le simple fait que pour l'instant j'avais pas vraiment besoin. Niveau nourriture, j'ai pas à me plaindre. Oui, donc voilà, c'est entre-temps, bah donc bah, j'ai trouvé une forteresse du Nether. J'ai cherché et tout, j'en ai trouvé une qui est fort loin. Et donc du coup j'en ai dit ouais je vais en profiter pour enchanter mon équipement. Donc en attendant, on va prendre un bon truc. Non ça c'est. Non. Est-ce que j'ai des trucs qui sont pas enchantés? Non. Non. Et non. Bon bah on va garder ça en attendant, hein, histoire de survivre. Voilà, donc j'ai aussi bah, fait un petit tour d'enchantement, j'ai farmé un peu d'expérience et j'ai fait un petit peu d'enchantement. Donc voilà, j'ai enchanté ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et ça comme ça. Et du coup, bah, vu que j'avais fortune 3, j'ai pu ramasser beaucoup de diamants. Et oui, j'ai pas enregistré ma... j'ai pas enregistré... j'ai pas... on va dire... comment dire ça? Enchanté, cette pioche-là, parce que pour le coup, c'est là... enfin, quand j'ai enchanté, il y avait que Efficiency 4, en fait. Enfin, je vais expliquer le système d'enchantement. On va regarder, voilà. Popolam popom. Alors, pour le système d'enchantement, c'est tout simple. Alors, il faut la pile azuli et de quoi enchanter. Enfin, et le truc qu'on veut enchanter. Donc, pour régler le niveau d'enchantement, je vais avoir besoin d'une torche. Ouais. Fuck. Ok, je n'ai point de torche. Heureusement, j'ai tout plein de charbon. Mais si je suis con, j'ai plein de torches, elles sont sur moi. Enfin, bref, on va continuer. Voilà. Donc là, si je mets le bouquin, il va demander niveau 6. Non, c'est trop élevé, donc du coup, je peux pas vous montrer. Tac, voilà. On va vous montrer ça comme ça. Voilà, niveau 4. Alors, tout d'abord, bah voilà, il faut quand même, y a toujours des niveaux requis pour enchanter. Donc là, 4, 9 et 16. Bon, sachant que j'ai mis un peu de torche partout, bah du coup, ça réduit le niveau maximum. Excusez-moi. Donc, il y a aussi. Voilà, donc il y a ça. Et cette fois-ci, on voit les enchantements qu'il y a de base. Donc par exemple, si je fais un enchantement niveau 4 sur le bouquin, il y aura obligatoirement Smite 1. Il y a aussi une possibilité d'avoir un autre enchantement en plus. Mais bon voilà, c'est plus on augmente en niveau, plus on a de chances d'avoir de l'enchantement. C'est pour ça qu'il y avait Fortune 3 sur la pioche. Enfer de tout à l'heure. Et donc du coup, bah, je me suis dit chouette, 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 comme ça bah, je vais pouvoir ramasser les diamants qui m'attendaient depuis fort longtemps. Donc voilà, et pour ce... Bah, donc après, ouais, ça coûte un certain nombre de la pile azuli. Donc pour le niveau, enfin pour le premier enchantement, il faut un lapis lazuli, le deuxième il en faut deux, le troisième il en faut trois. Pour l'instant vous arrivez à suivre je pense. Et ensuite ça, ce qui a marqué là c'est le coût en fait. Par exemple vous voyez je suis niveau 5, là il faut au minimum 4 en enchantement, enfin il faut un niveau 4 minimum pour pouvoir enchanter. Donc du coup bah on va voir et hop là, ça a coûté un niveau. Donc voilà, on a Smite 1. Bon je sais pas à quoi ça me servir mais on a Smite 1. Ouais. Donc voilà, voilà comment marche les trucs d'enchantement. Ouais, faut peut-être que je me débarrasse de ça aussi. Donc, ouais, j'ai quand même un peu m'équiper avant de partir à vous montrer où la forteresse se trouve. Alors, on va planter ça. J'ai pas un arc normal. Oui, parce que du coup, voilà, c'est. Entre-temps, bah voilà, comme j'ai dit, on a tabassé des monstres, donc du coup, on a pu se stuffer. Donc, du coup, j'ai ramassé ça, j'ai ramassé. Ouais, ça, je l'ai ramassé. Ça, c'est. J'ai combiné plusieurs arcs que j'ai ramassés. Ça, je l'ai. Ouais, non, ça, ouais, ça j'ai ramassé aussi. Et ça, c'est. Je l'ai enchanté avec un niveau 30. Ouais, donc voilà, c'est. J'ai moult enchantement. Donc, ça, on va te prendre toi pour le coup. Est-ce que j'ai des flèches? Est-ce que j'ai de quoi faire des flèches? Ouais, en fait, non. Donc, du coup, si on croise un gaz dans le Nether, on va se marrer. Ah!
Voilà, ça comme ça. Ok, d'accord, ça marche pas dans l'autre sens. D'accord, nique la logique. Ouais, ouais, faudra vraiment que je m'organise au niveau des coffres. Ah, donc du coup, là, c'est, bah, j'ai vu que j'ai creusé le tunnel, bah voilà, il y avait ça. Et vu que j'ai déjà fait une exploration dans le Nether, dans la vidéo que j'ai faite que j'ai pas mis au final parce que je l'avais pas, nique la logique. Du coup, j'ai trouvé ça, j'ai tabassé des monstres, voilà, j'ai tabassé des ghasts, accessoirement, tout ça. Et aussi, tada, vu que j'ai trouvé une forteresse et tout, je voulais vraiment voir s'il était inexploré. Donc du coup, j'ai un peu avancé, j'ai dû tuer des blazes. Et j'ai trouvé deux ou trois forteresses qui étaient déjà démontées par Pipoy, enfin par Beliorion et toute sa bande. Et du coup, bah voilà, j'ai trouvé. Donc du coup, j'ai trouvé à la fin une forteresse, mais j'ai quand même dû tabasser des blazes pour ça. Donc dans tous les cas, j'aurais de quoi faire des potions. À part les verrues, mais sans ça, je pourrais toujours les ninjas chez Belio. Au cas où il n'y aurait rien dans la forteresse. Oui, donc un arc, j'ai de la bouffe, j'ai de quoi taper, j'ai de quoi tirer à l'arc, ouais, vite fait. On va prendre de la terre histoire de pouvoir se faire un abri ou une colline en genre. Ah oui, accessoirement, j'ai aussi trouvé un wither, hein. Enfin, j'ai tabassé des wither squelettes, donc du coup, le tout premier wither squelette que j'ai tabassé, j'ai eu le crâne. Donc du coup, il me manque plus que deux pour faire, pour invoquer notre ami le wither. Et puis, c'est tout de ce que j'ai qu'à dire de spécial. Donc voilà, j'ai de quoi ça. Ah oui, il faut quand même une pioche, je pense. Enfin, ça pourrait être utile en tout cas. Tac, tac, tac. Je vais devoir aller refermer du fer, moi. Là, le bâton, 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 bâton. J'ai pas de bâton sur moi. Ah si, il me reste. Mince, j'ai dit un bâton, pas des pouces. Voilà. Tac. Et voilà. Ouais, bon, on va pouvoir y aller comme ça. On continue. Ah oui, bah, niveau aussi changement. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais auparavant, mais voilà. J'ai agrandi la réserve de canne à sucre. À la fin, je ferai un truc bien, mais là, voilà, c'est vraiment histoire d'avoir au moins. Alors, toi. Attends! Oh, bâtard, il y a des protections. Bon, en attendant d'avoir une vraie. Enfin, aménager un endroit exprès pour élever les cannes à sucre, je ferai. J'ai fait ça. Donc voilà, si j'ai besoin de papier, j'en manquerai pas. Sinon, j'ai pas fait grand-chose en fait. J'ai trouvé d'autres. Ah, je la refais. J'ai trouvé d'autres grottes à explorer. Voilà. Qui sont par là, accessoirement. Donc ça se trouve, je ferai peut-être un épisode là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous voulez ou pas. Hein. Il y aura peut-être des morts à la clé. Hein. Ah, ça vous plaît tout de suite. Hein. Ça vous plaît plus tout de suite. Enfin bref. Allons-y maintenant dans l'exploration, enfin à la recherche de la forteresse. Donc j'ai noté les coordonnées. Et donc ça va être épique d'y aller. Ah oui, donc tout d'abord, bah voici la gigantesque tour en cobble que j'ai faite. Donc voilà, c'est l'escalier de la mort qui tue et tout. Qui monte loin, 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 loin. Voilà. Et on arrive, attention, suspense et boules de gomme, au tunnel. Donc voilà, je vais pas repasser par tunnel, hein, je vais pas vous montrer ce que je vous ai déjà montré. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Rien que pour vos beaux yeux. Et accessoirement aussi pour que ça me soit utile. Je réaménagerai tout ceci, mais bon voilà, c'est en entre-temps, il y a ça, donc du coup, voilà. Ouais, j'entends le bruit d'un ghast, j'aime pas trop ça. Entre-temps aussi. Attends, il est où le ghast? Bon, entre-temps, j'ai aussi fait l'achievement. Renvoyer au ghast sa boule. La classe, hein. Et en fait, c'était pas vraiment voulu, hein, c'était vraiment juste pour me défendre en fait. Et, ah oui, non, j'ai envoyé la boule avec une flèche. Donc, du coup, j'ai tué le ghast avec une flèche, mais avec sa boule. Donc du coup, voilà. Et ouais, donc voilà. Du coup, vu que j'ai noté les coordonnées, on va regarder ça. Ouais, je suis encore pas mal loin. Ah oui, sinon, je vais vous expliquer. Bon, voilà, c'est entre-temps, j'ai augmenté au niveau des morts. Donc, j'étais à 13, si je me souviens bien. Faudrait que je regarde ça. Et donc voilà, si j'étais à 13, bah j'ai eu voilà, 4 morts en plus. Et ces 4 morts, je les ai eus pendant l'exploration du Nether. Et là, je me suis rendu compte que je vais pas du tout au bon endroit. Là, ça augmente en X. Et ça augmente en. Enfin, négativement en Z. Et c'est ce qu'il me faut dans tous les cas. Ah non, c'est par là, voilà. Ouais, c'est bon. Donc ouais, j'ai augmenté au niveau des morts. Donc entre-temps, bah. Déjà pour les morts de base que je vous ai décrits dans l'épisode que j'ai filmé, qu'au final, y a pas de voix et tout. Donc je suis mort, bah, pour total je suis mort 6 fois par le dragon. Enfin pendant le dragon, hein, que ce soit Wither, Dragon ou Enderman.
Je suis mort une fois par Velio parce que on jouait au con on était en haut d'une tour et lui a décidé de me pousser de manière violente et bête et méchante. Donc voilà, j'ai une mort en plus. Je suis mort une fois en jouant au con avec Belio. Donc je sais pas. Ah non non, du coup on s'était pas filmé à ce moment-là. Donc du coup ça ne sera point mis dans l'épisode dans l'épisode bonus. Donc du coup oui, on a fait. Il y a un petit épisode bonus. Je ne vous dis rien pour le moment. Ça sera une surprise. Et ça sera du coup sur la chaîne de Belio et la mienne. Donc voilà, faut qu'on se mette d'accord pour une sortie de l'épisode bonus. Donc ça fait 6, 7, 8, ça fait 8 morts pour l'instant. Bon, 4 dans le Nether, donc du coup ça fait 12. Et ensuite, voilà, donc après je suis mort en off. Où est-ce que je vais là? Ouais, je parle et je me dirige en même temps, c'est peut-être pas bon en fait. Du coup, ouais, je suis mort en off aussi en. Bah, quand je farmais et tout, par des squelettes, des zombies, des trucs n'importe nawak, tout ça. Donc voilà, c'est au total 6 morts pendant le dragon. Une mort par Belio, une mort en jouant au con. Non, deux morts en jouant au con, parce qu'il y a une fois j'ai sauté dans le vide, il ne restait plus qu'un demi-cœur, donc du coup, mon cœur n'a pas tenu. Ouais, du coup, j'ai peut-être allé par là. Pom 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 pom. Et donc voilà, j'ai pu. Voilà. Donc voilà, au niveau des morts, c'est tout ce qui s'est passé. Et en attendant. Putain, j'aime pas les cochons! Les cochons, t'as envie de les taper, mais t'oses pas parce que du coup, si t'en tapes un, il y a toute la famille qui. Si la famille représente tout ça, qui vont tabasser la gueule à coup d'épée méchante. Tac tac tac, donc je suis en. Si... Enfin, le but c'est. Là où j'ai commencé à creuser mon tunnel, c'est en 619 et moins 551. Ça va être épique à trouver ça. Donc voilà, enfin l'épisode durera moins longtemps que prévu. Et je viens de penser à un truc, c'est si j'ai fortune, je pourrais accessoirement casser tous les blocs de. Les trucs qui brillent là, j'en suis plus. Ouh là 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 là. Ouais, les blocs de glowstone. Bah justement pour avoir le maximum de glowstone possible par bloc. Du coup, attends, c'était 619, donc du coup je suis pas très loin. Et moins 551. Ah oui, je crois qu'à cet endroit-là j'ai creusé un tunnel à la one again. Est-ce que je vais le retrouver? Tunnel, tunnel! Petit tunnel, tout doudou. Où est-ce que j'ai foutu mon tunnel? Oh là là là. Ouais, il faudrait que je fasse un chemin plus safe pour ça, mais. Tac 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 tac. À moins que j'ai fait par ici. Bon là, j'y suis bientôt. Oula! C'est illuminé à côté de moi, je sais pas si c'est à cause d'un Tiernagast. Donc dans tous les cas, j'aurais eu un problème de son. Donc du coup, ce n'est point rassurant. Tac tac tac. Ah! Je crois que c'est par là que j'ai fait le tunnel. Rentre chez ta mère! Saloperie, va. Je suis pas là. Monsieur? Non, il est pas là. Du coup, où est-ce que j'ai fait mon tunnel? Ok, ça va, il est loin encore. Fight! Bah, ok, fous-toi de ma gueule. Voilà. Attention! Non, raté. Ah, saloperie. Ok, il est simplement con là pour le coup. Oh, il a tout détruit! Non, il a tout cassé! Qu'est-ce que j'ai ramassé? Ah, ok, il a détruit les champignons entre temps. Oh le con. Où est-ce que j'ai fait mon passage pour le coup? Ah, tac 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 tac. Non, ça va dans les profondeurs et. Ouh là, là il y a du feu. Ouais, donc là, vu qu'on est ultra hardcore, le feu c'est vraiment fatal. Ok. Je crois que je t'ai pas vu. En plus, il se cache l'enfoiré. Bon, toi, je vais me le faire. Mais t'éloigne pas! Voilà. Mais. Non! Ta-ta-ta-ta-ta! Saloperie. Et j'ai plus de flèches. Vous pouvez me dire, t'as qu'à renvoyer les tirs et tout. Oui, le problème c'est que avec le lag, c'est pas aussi simple. Qu'il n'y paraît. Mais c'est qui me suit en plus? Voilà.
Ça, le prix de Gast. Donc, du coup, alors on est en 40, 619, moins. Ok, d'accord, je suis carrément complètement éloigné de mon truc en fait. Voilà, on va passer par là. Et du coup, ouais, on va peut-être essayer de passer par là. Voilà. Ok, j'ai pas du tout construit de chemin en fait. Mais où est-ce que j'ai foutu ce chemin à la con? La 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 la. Ok, bon, on va essayer de passer par là. Alors, après cette épicité le plus épique, moins 551, donc du coup, je suis bien dans le Z. 619. Expositif. Ok, donc on va monter par là. Et j'aime pas du tout creuser comme ça parce que pour le coup, il y a des moyens de tomber sur un truc de lave. C'est un peu le suspense. Il m'est déjà arrivé de me prendre des trucs de lave et de rester à 2 PV, tout ça. En mode, je vais mourir, je vais mourir. Justement, on n'a jamais creusé au-dessus, directement au-dessus de soi parce que du coup, on peut tomber sur un truc de lave. Voilà, donc on va monter. On doit monter jusqu'en 78. Et ouais, ça va être encore de l'épicité la plus épique. Voilà. Là, c'est pas super passionnant, mais en même temps, c'est le seul moyen que j'ai trouvé parce que du coup, j'ai pas pensé à bien flécher la. Ah, attendez, on va passer par là. Ouh là là. Ah, c'est bon, il y a un trou. Ouais, ah, bah tiens. J'aime pas trop ça. Voilà, il y a rien pour le moment. Tiens, bah c'est pas un chemin que j'ai. Ah bah! Et voilà mon chemin que j'ai fait. Tac tac tac. Voilà donc, ça arrivait à ce niveau-là. Et voilà, ouais. Ah bah. J'étais vraiment tout en haut. Et d'ailleurs, attendez. On va mettre ça pour montrer que c'est par là. Et du coup, je sais pas ce que j'ai foutu. Je crois que j'étais en bas. Enfin bref. Donc voilà, on a tiré dans la grotte que j'avais creusée. C'est magnifique, hein, n'est-ce pas? Les grands esprits se rencontrent. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas creusé un tunnel? Pourquoi tu n'as pas continué le tunnel jusqu'à chez toi? Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, attends, je demande quand est-ce qu'on va y arriver. Ah bah. C'est ce que j'ai essayé de faire. Jusqu'à ce que. Pas de gaz, ça c'est bon. Coucou! Un grand vide se dressa devant moi. Et moi, je n'ai pas les grands vides, surtout quand il y a de la lave au bout. Donc voilà. Donc on a enfin trouvé le tunnel pour aller. Bah. À la forteresse du Nether. Donc ça, j'ai noté les coordonnées du tunnel. Comme ça, je pourrais toujours m'y retrouver. Et du coup, on va. Tong, tong, tong. On va y aller faire un petit tour. Je déteste le Nether à cause des ghasts, en fait. Parce que s'il y avait juste à faire le tunnel, je l'aurais fait. Mais non, il y a à faire le tunnel et éviter de crever par les ghasts. Par les ghasts. Et le problème, c'est que les ghasts détruisent la Netherrack comme si c'était de la brioche. La brioche péruvienne, je ne sais pas pourquoi j'utilise cet adjectif-là, mais bon. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Il y a aussi du quartz à piocher. Ah voilà, donc on est passé en dessous du Nether. Mais c'est pas par là que je considère que c'est l'entrée du Nether. Donc on va continuer comme ça, l'air de rien. Donc il y aura un autre passage par ici. Et du coup, voilà, on arrive enfin, au niveau de la forteresse du Nether. Pop, 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 pop. J'aime vraiment pas trop ça. Ouais, là, 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 là. Donc voilà, nous sommes dans la forteresse du Nether. Donc du coup, ceci fera l'objet d'un prochain épisode parce que je pense, enfin, j'espère qu'il y aura pas mal à explorer. Donc j'espère sincèrement qu'il y aura beaucoup de choses à explorer. Et du coup, beaucoup de choses à ramener. Que ce soit ce qu'il y a dans les coffres, ou ce qu'il y a, enfin, faire une ferme à Blaze, ou ramasser des verrues, enfin voilà, tout plein de choses dans le genre. Donc ben c'est sur cette image que je vais vous laisser. Après que avec la. Oula oulou loulou. Putain, il y en a trois Blaze qui viennent de spawn instantanément, il y en a un qui me regarde avec ses yeux de genre je te tabasserai. Attends, on va essayer de se faire. Voilà. Attention, est-ce que je peux passer par là? Ouh là là!
M'a vu, m'a vu. Voilà, on sort un petit peu, je m'en. Coucou! On va essayer de se les faire. Ou alors pas du tout parce qu'ils s'en battent les couilles de moi. Bah c'est. Donc bah, on va continuer les au revoir et tout. Et on se casse! Donc c'est sur ce bah, que. Voilà, que. Enfin merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce que je fais vous plaît et donc du coup vous voulez voir d'autres vidéos. Que ce soit en Minecraft ou en autre let's play. Sur d'autres jeux et tout ça. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter si vous remarquez qu'il y a quelque chose à améliorer. Ou alors que vous avez aimé, donc du coup vous dites ouais c'est génial tout ça. Ça m'aidera et ça fera plaisir aussi, je vous jure. Et je lis vos commentaires, hein, ne vous inquiétez pas, je peux y répondre, voilà. Et aussi, bah voilà, c'est. Donc voilà, il y a aussi en vidéo bonus, juste après mes au revoir et tout, il y aura comment j'ai creusé le tunnel. En accéléré, hein, vous inquiétez pas, avec une petite musique marrante si j'en trouve une. J'en ai déjà deux ou trois en tête, on va voir ce que ça donne. Et donc voilà, après tout ceci, bah sur ce, à plus, tout ça, tout ça! Oh le con. Oh le con. Ta da 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 da
Da-da-da-da-da-da-da. Et voilà mon portail du Nether. Donc on va rentrer dedans. En espérant qu'il y ait... Ah non, on va le devant enlever ça. En espérant qu'il n'y ait pas trop de méchants de l'autre côté. Ce dont j'ai peur maintenant que j'ai frappé un cochon zombie. Et voilà, on arrive du côté de chez moi. Donc et ben c'est fini pour cette partie, petite partie bonus. Bon bah. Salut! À plus tous à tous!